Alors par contre j'ai une anecdote. En fait j'étais vraiment en mode mission, je voulais fumer Skyheart à la LAN. Et en fait la première chose que j'ai dit à Sky et à la LAN, c'est après avoir perdu. En fait je me suis mis pieds nus pendant le match de la demi-finale. Et en fait Sky il était assis à ma place. Et juste avant sa finale, je suis allé le voir et je lui ai dit: excuse-moi mais tu peux me rendre mes chaussures? Rends-moi mes chaussures. Et il croyait que je faisais une story Instagram. Je vous le jure c'est vrai. J'avais l'opportunité de faire cette blague, je pouvais pas passer à côté en fait. Je pense que ton anecdote, elle est vraie. Cette anecdote est 100% vraie. Voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Le noir est mort, je l'ai tué. Au fond de la merde. M-Blanchine, cette connasse. Est-ce que ce serait pas quelqu'un de la team? N'Golo Kanté. En même temps, il y a le pro qui rate. Oh là là. Ouais. Ouais. J'ai des interférences. J'entends plus les rageux. C'est vraiment bizarre ça. Oh les bâtards, ils m'ont baisé. Bon, si on perd les âmes, c'est fin du game. Non, c'est pas possible. Oh, j'ai une très bonne RNG, je crois. Oh, c'est pas possible, c'est du one shot, sérieux? Mais comment ça? Ah, j'ai peut-être pas le bon pantalon, ouais. Ah putain, c'est le pantalon, mais vraiment en plus. J'avais pas le bon pantalon. Mais quel coup. Oh non, et je perds toutes les âmes. Oh putain, la run de merde. J'ai vraiment mis le mauvais froc. T'imagines, tu perds une run parce que t'as le mauvais froc? Oh merde! Non, c'est pas possible! Non, sérieux, on peut tuer le boss là? C'était drôle 2 minutes, mais là, c'est plus drôle en fait. Ah! Allez, c'est bon! Mais c'est quoi cette merde? Non, là, je me fais hard troll. Non, vraiment, pour le coup, le boss est buggé. Bon, ça va, ça m'a pris que 20 essais. Elles sont où mes âmes? Mais il m'a mis où mes âmes, ce connard? Mais c'est quoi cette merde? Je l'ai déjà récupéré, mais pourquoi j'avais 0 alors? Ah, je les ai peut-être perdus les âmes. Ah, c'est possible. Du coup, on est dans une petite merde là quand même. Quelle surprise! Ok, je prends pas le feu parce que j'ai une totale confiance en moi sur le saut qui arrive. Non, absolument pas. 0% confiance en moi. Oh le. Putain. Oh merde! Deuxième essai. Enfin, troisième. Oh putain, mais je suis une merde. Évidemment, je me fais ninja. Oh le bâtard, il me fume, il est trop fort ce boss, qu'est-ce qui se passe? Mais arrête tes conneries, c'est abusé! Troisième niveau, on va se prendre cette boule de feu. Quatrième, c'est le mob sur la gauche. Voilà, esquiver cette boule de feu. Esquiver celle qui vient dans notre dos, en faisant un petit gauche-droite maintenant. Voilà. Ensuite, lui, roulade, on régène stamina, on regarde derrière nous pour esquiver la boule de feu. C'est bon. On monte cette échelle. On prie. On n'a pas eu de chance. Voilà. J'ai envie de tout casser. Semaine de taf finie. Envie de crever. Ça, le plaisir de te voir. Ouais, si t'aimes pas ton taf, faut changer de taf. D'ailleurs, un autre conseil de ouf, si vous aimez pas votre meuf, changez de meuf. De rien. Mais de rien, en fait. Un autre conseil de fou, n'attribuez pas à l'amour ce qui ne dépend que de vos souvenirs. C'est parce que vous êtes avec quelqu'un de plus longtemps qu'elle est plus légitime d'être la femme de votre vie. Ou l'homme de votre vie. Je m'en vais de ce pas larguer ma meuf. Parfait. Ah, j'ai tellement mal à la queue, putain. Il fait peur, mais vous inquiétez pas, c'est... Il y a quasiment aucune hitbox de dégâts sur ce boss. Il fait semblant de jouer, en fait. C'est comme vos mates en solo queue. Ils sont là, mais ils sont pas vraiment là, en fait. Faut pas avoir peur de lui. C'est une merde. Regardez. Il fait semblant, là, ça se voit. Il met du feu par terre. Mais qui va marcher dedans? Regardez-le. Bon, là, il fait des dégâts, mais c'est un bug, ok? Regardez, il met du feu, ça me touche pas. Regardez. C'est... Il tape à côté, en fait. C'est une merde, il dit. Une merde. Un dog. C'est vraiment le boss dog. Regardez le dog. Ok. Voilà. Il aboie un peu fort quand même, je trouve. Je suis la reine des salopes si je meurs contre ce dog à ce try et je lâche 10 subs. Oula, c'est bizarre les gars, j'ai pas compris là, c'est... ça va... Ouf, oula, c'est... Normalement on est bon là. Très peu de chance que ça se passe mal. Ok, je voulais tester un truc. Non, c'est... Quoi? Quoi? Comment ça one shot? C'est pas possible! J'ai jamais vu ça. À l'aide! Ah, c'est pas mal comme premier temps, je suis content. Franchement, je suis content. Mon PB, il est dans les 2h15. Je pense qu'en une semaine de tryhard, je peux faire sub 2h. Je ne peux pas faire sub 2h08. Peut-être dans 2 semaines ou 1 semaine. Mais je peux pas, au bout de 2 jours, avoir un meilleur niveau qu'un niveau que je n'ai jamais eu, en fait.
Un coup encore. Et alors là j'ai une putain d'RNG. Ah là, j'ai failli parfait, excusez-moi aussi. Voilà, après ça se passe bien, ça se passe bien, moi je vais pas me plaindre hein. En vrai, ce 20 minutes pour venir c'est absolument insane. Genre vraiment c'est colossal. Ah il est pas mort déjà. Non. Combien de minutes je perds? Au moins 2 minutes là. Dommage, hein, j'étais très très bien. Oh, c'est la RNG parfaite. Oh bordel, peut-être. Oui, là je suis largement dans les temps pour ça. Là je peux faire encore sub 2 heures. Quoi? C'est pas possible, tout se passe bien. C'est pas mal comme run, non, vraiment. Bon bah les amis, restez en France. On va démoncer. C'est quoi qui vient de se passer là? J'ai jamais vu ça de toute ma vie. Oh, le temps perdu est considérable. C'est dommage quand même. Je viens de perdre quasiment 4 minutes. Comme vous voyez, sub 2 heures, c'est quand même très 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 dur. Je sais pas si vous vous rendez compte de la perfection de la run qu'il faut pour faire sub 3, sub 2 heures.
C'est le boss le plus dur de leur run pour moi. Non mais c'est mon PB, c'est 2-14 les gars. Je sais pas si je vous l'ai dit. Ça a jamais été 2-8 mon PB. En fait j'aurais pu faire 2-8 mais je suis mort à Gaël il y a longtemps. Let's go! Oh, c'est une run de fou! Oh là là, c'est une run de fou! C'est une run de fou! Oh là là! 2h10, bordel! J'ai battu mon PB d'il y a 6 mois en fait! En 3 jours de train! Ah, oh, je suis refait! C'est trop, je suis trop content! Il y a plein de choses qui sont améliorables, mais la run est folle! Putain, à 2h, je suis parti de 2h42 à 2h10. À 2h10. Incroyable! I'm running for you, gotta move, don't want no ride. So warm me up, cause I know the world is at my feet, yeah. So take me higher, baby, let's go and hit the streets, yeah. Yeah.